à tous et bienvenue sur l'épisode 2 de Stranded Deep. Donc la dernière fois, on a crafté ce qu'il fallait, hein, le nécessaire, un campfire, un scalier. Et on a aussi tué une manta. C'était pas une vraie manta, c'était bien une manta, tout comme fait. Et j'ai récolté déjà 3 parties du moteur. Que ça m'a même quand même foutu à moitié les boules de voir que j'ai obtenu des objets bien chiants à obtenir très rapidement. Alors comme à mon avis ça doit s'entendre largement, le son est très très bien baissé. Et même ça, ça m'arrange largement. Parce que merci bien, mais la dernière fois j'ai éclaté mes tympans. Alors. Donc avec tout ça, on va pouvoir maintenant se faire quelques petits... Attends, on va pouvoir se faire quelques petites armes de nécessité en cas où. Et alors, on va commencer par déjà se faire un marteau. Donc là, j'utilise pas les bugs. Pour la première vidéo, c'était pour en même temps vous prouver qu'il y avait un bug. Hein. Je ferai plus tard la vidéo sur comment activer les bugs. Enfin, j'essaie en même temps d'en découvrir d'autres, mais faudra que je teste avec une autre, avec peut-être l'ancienne version. Donc cet arbre, je crois que j'ai laissé pour les noix de coco. Parce qu'il va me falloir des noix de coco. Alors aussi, je préviens, je ne monte pas aux arbres. Je ne monte pas aux arbres. Parce que je me suis cassé déjà plusieurs fois la jambe dans le jeu. Enfin non, pas vraiment la jambe, c'est le bras que le personnage se pète, mais bon. En même temps, le personnage, il est pas doué du tout. Alors. On va foutre le feu, hein, petit jour. Bah alors. Hop. Donc là, on peut créer une fondation. Une très très belle fondation qu'on peut surélever comme rien. Alors. Là, j'ai largement de l'espace pour faire la maison. Ça, on va pas dire le contraire. D'où la maison va quand même faire va être assez large. D'où on va aussi mettre des fondations tout autour du feu de camp. Voilà, ça peut être une bonne raison, c'est que j'ai envie de faire une maison. Enfin, une maison bien construite. Alors, on va essayer de trouver... Non. Ouais. Non, voilà. Non. Je vais péter un pont, moi. Attendez, hop. Parce qu'en fait, j'essaye d'avoir le bon angle, vraiment le meilleur que je puisse avoir. Alors, désolé, du temps que ça prend, mais... Je me suis gouré. Bon, bah, on va. Soit on aura de la chance, soit on en aura pas. Ouais. Bon, bah, on espère qu'on a de la chance. Hein. Donc, je sais, là, ça a pris du temps à faire ça, mais. Fallait bien, parce que sinon, on risque d'avoir une maison de merde. Ah, le soleil, il est déjà venu, je trouve. Hein. Ah, ouais, putain, le personnage, lui. Il a la montre qui est à pédzouille, hein, force. Hein. Alors, on va couper les arbres. Non, tu te casses pas la gueule vers moi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça glitch.
On glitch dans le bois donc. Allez, j'ai envie de faire un truc là moi. Attendez, vous allez voir ce que je vais faire. C'est en fait, on peut réussir, voilà. On peut réussir en fait à voler avec un bout de bois. Enfin, il en faut au moins deux pour que ça fonctionne. Enfin, je vous expliquerai ça plus en détail. On peut voler avec le bout de bois en faisant bien attention à comment on se positionner dessus. Hein. Et par contre, à faire attention parce que ça tombe dans l'eau, vous allez galérer pour monter. Hein. Mais bon, ça c'est le genre de truc à éviter de faire. Hein, quand même. Voilà. Donc on va faire des plateformes tout autour. On mettra le lit par-dessus les deux plateformes. Bon, je coupe déjà ça aussi. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai fait un épisode sur Minecraft qui sera en compagnie de El Patriot et de quelqu'un d'autre, hein, comme vous l'avez entendu dans la vidéo. Hein. Donc ça va être assez mouvementé à mon avis, hein, quand même sur le Skyblock, hein, enfin le Skycube. Après donc il y aura sur d'autres jeux, comme j'avais dit en vidéo. Hein. Peut-être sur du Eden Eternal, mais ça je garantis vraiment pas. Je garantis vraiment pas le fait que de le faire sur Eden Eternal, sachant qu'il n'y a pas vraiment grand chose, à part peut-être faire démonstration du jeu en créant un personnage nouveau qui permet de créer le personnage, mais voilà. Sinon ce serait pas très intéressant de vous montrer un personnage totalement enfin qui est très assez haut level quand même déjà comparé au tout début du jeu. Après quand on voit d'autres personnes qui sont au niveau 92 on est un peu dégoûté. Donc alors à partir de ça je vois, est-ce qu'il y a eu des nouveaux crafts depuis? Non. Alors marteau, donc maintenant fondation. Allez, dites-moi. Non! Ah non, ça oui, ça c'est compréhensible, mais ici on peut pas. Fuck. Fuck, 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 fuck. Voilà, hop, regardez. Ouais, le problème c'est que. Ouais, quoique, non, allez, j'ai une idée. Une bonne idée, donc. Ah ouais, le problème c'est que là je peux pas continuer, donc il va falloir faire vraiment tout un tour. Oh, hop. Ouais, nickel, il y a encore assez pour une plateforme. Sauf qu'on s'en fout de la plateforme. Alors. On peut faire une porte? Oh. Ah, ça c'est des nouvelles mises à jour, parce que ça s'y était vraiment pas avant. Donc on va mettre des supports. Bon bah voilà, on va mettre l'entrée de la maison ici. Hein. Parce qu'il n'y a pas de respect. Hein. Alors, support. Et voilà, parce qu'il n'y a pas de respect, je mets déjà la porte. Et voilà. Alors. Voilà. Jolie cabane. Ah. Ça c'est vraiment intéressant, depuis la mise à jour ils ont rajouté quand même des trucs. Donc ici on remettra après les murs plus tard dès qu'on aura tout ce qu'il faudra. Voilà, donc ici on peut continuer. Je fais attention pour l'instant à pas faire de conneries quand même parce que ce serait un peu ballot. Alors où en est ma bouffe? Oula, ouf, oui. Bon personnage est limite en train de crever de faim. Donc on va utiliser ouais, on va utiliser le couteau parce que alors ouais 6. Alors là il y a largement pas assez. Allez. Tac, on récupère toute la bouffe en même temps. Parce que c'est pas pour dire je commence vraiment à être en urgence. Ça j'ai la gerbe.
Lui calme le perso. Allez, allez, calme, calme. Donc le personnage peut attraper la... Enfin, peut attraper des maladies, hein, si j'ai bien compris aussi. Hein. Avoir l'écran, comment il s'affiche et tout. Ça va être une chose quand même à éviter le plus possible parce que voilà. L'objectif c'est pas de mourir quand même. Hein. On fait le tour de l'île de nouveau. Parce que ce que je vois, j'ai trouvé encore le caillou. Alors, le Yuka, t'es bugué. On a Yuka bugué. Oh. Oh, c'est dommage, le Yuka il est bugué là. Là, il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a vraiment. C'est très pauvre en bois ici. Hein. On a 3. On a 4 arbres encore. Non, 5. 5 arbres à couper encore, grand max ici. Je laisse toujours un cocotier sur l'île parce que vu que ça fait spawner des noix de coco. Et je préfère mieux encore avoir des quoi vivre sur une île parce que même si ça pousse pas énormément. Arrête de rouler la noix de coco. À mon avis, il doit y en avoir une autre. Bah oui. Alors, je m'en excuse que ça lague un tout petit peu. C'est que le fait que j'ai un nouveau jeu sur l'ordi. Hein. Un jeu en plus que je vais pas faire de vidéo dessus parce que... Ce serait pas intéressant. Enfin, pas intéressant une partie parce que c'est pour ceux qui aiment bien les jeux de rythme. Les jeux de rythme et aussi le... Quelques musiques de pour les otaku en fait on pourrait dire. Et ceux qui savent pas ce que ça veut dire otaku, allez chercher sur internet, vous verrez bien. Parce que j'ai pas envie de faire une j'ai pas envie de dire la définition d'un otaku parce que voilà. Ça deviendrait très barbant à dire à force. Mais en tout cas je le cache pas que j'en suis un. Hein. Alors voilà. Une pierre, une noix de coco. Alors là par contre la menta, je voudrais bien voir si on peut la faire cuire. Ce serait intéressant. Le lit. On va le laisser ici. Parce qu'il n'y a pas de respect pour le lit. Et que ma hache commence quand même à se prendre très cher. Là. Allez, 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 allez. Allez, ça voilà. Ah. Alors, on va pas faire d'autres portes en tout cas. On va faire des murs. Qui sont normalement des walls, voilà. Voilà. Et on va encore faire un wall. Normalement ça devrait passer. Ah vous déconnez. Voilà. Ah dites-moi pas qu'il bug dans le caillou. Non, c'est une mauvaise blague ça. Ah bah non. J'ai eu peur. J'allais me retrouver avec un trou dans la baraque. On n'a plus rien pour faire une fondation. On va couper celui-là, il est plus près. Hop, et ça va pas tarder à être à la nuit, à mon avis, dans le jeu. Alors, allez, allez. Oui, des noix de coco. Des noix de coco, quand même, qui se projettent à 3 mètres de là où il a été coupé. C'est un peu logique. On va regarder les environs. Hein. 16h, c'est bon, ça va pas tarder à être la nuit. C'est normalement à 18h dans le jeu que la nuit tombe. Ça va pousser. Non, les patates elles ont toujours pas fini de pousser. Alors,
pour ici, en fait, ce que j'ai en tête, c'est que je vais faire. Enfin, à part si c'est pas possible, on lui dit peut-être, hein, je sais pas, spaghetti, et voir s'il n'y a pas le craft des fenêtres. Enfin, une petite. Comme la porte, mais version fenêtre. C'est intéressant à voir parce que. J'ai une idée, c'est que je voudrais mettre une fenêtre ici pour ça. Parce que, perso, moi, je trouverais que ce serait intéressant de le faire. Ah, d'accord, l'arbre il se tire à pétzouille. Ça le fait pas s'il se tire à pétzouille, mon arbre. Voilà, tac. Voilà, bon, ça on s'en fout. Voilà. Alors, des supports. On va être obligé d'en poser ici par contre. Support. Bah ouais. Est-ce qu'on va pas laisser quand même un toit sans toit, on va dire. Alors, attendez, ça c'est pour décaler un peu. Voilà. Allez, on coupe, on coupe, on coupe. On va éviter de crever de faim quand même. Comme ce que j'ai failli faire tout à l'heure. Je crois que je ferai peut-être un petit hors ligne pour quand il s'agit de bouffe et à boire parce que sinon ou non ouais non je ferai pas de hors ligne pour ça parce que sinon ça fait pas partie de l'aventure hein, pour alors hop, on coupe ça non, par contre je vais pas le nier c'est que c'est très long à couper alors. On va faire une petite fondation. On va poser ici. Ça qui va bien sûr pas me les péter royalement. On va faire un mur si il y en a la possibilité. Oui, c'est parce que ça respecte. Allez. Et voilà. Déjà, on a posé trois murs, une porte et trois fondations. C'est bon. C'est le respect du jeu. Voilà, parce qu'il n'y a pas de respect. Voilà ce que j'en fais moi avec le briquet. Et malheureusement, je peux pas le cramer. Ah, quoique. C'est à tenter. Non, ça crame pas. Ça aurait été très très bête parce que cramer des ressources comme ça. Déjà que c'est pour ça que j'active pas le feu de camp pour l'instant. Parce que je vais pas dire le contraire, ça paraît peut-être un peu désagréable pour vous de regarder. Sans lumière, mais le problème c'est que le feu de camp en fait c'est qu'il faut trouver après les ressources à faire cuire et les seules ressources à faire cuire sont le bois et les feuilles de palmier. Donc je n'ai pas envie de les cramer inutilement en fait. Ah Yuka, voilà, là on peut. Là on est d'accord. Voilà. Parce que ça respecte et voilà. Ouais, on va couper le plus grand comme à chaque fois. Et après, il faudra que j'aille sur une autre île, peut-être, quand j'aurai coupé tous les arbres. Hop, l'arbre il va dégager. Et il veut pas, il le respecte pas. Voilà, pour voir un peu mieux. Voilà, parce que je peux pas récupérer un autre coco comme ça, ce que je vois. Bof, il y a des noix de coco qui ont voulu disparaître. Fire. Alors, il y a quelque chose, non? Hop. Allez, allez, allez. Allez, on va. Allez, elle en est où la lune? On va au moins se faire. Comment dire? Attendez, parce que j'essaie de retrouver mes mots là. La noix de coco, tu respectes, s'il te plaît. Toi aussi.
Hop, voilà. On va pas me les péter là, notre coco. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, qu'est-ce qu'on fait, personnage? Ah, la lune, elle devient de plus en plus claire, j'ai l'impression. Ah, je l'ai sur le bout de la langue en plus pour le dire et j'y arrive pas. On va se faire. On se fait tout ce qu'on peut avec ça et après ce sera la fin de la vidéo par le petit sommeil du personnage qui va agoniser lentement dans sur ces îles chaotiques. Voilà, parce qu'il y a respect, je coupe encore les arbres. On va voir si on peut faire une fenêtre par chance. Enfin, je chercherai entre temps, mais je crois pas que la fenêtre est possible. Enfin, quoique, si on ajoute une porte, pour moi, on doit ajouter aussi la fenêtre. Hein. Et la prochaine fois, je testerai voir si on peut cuire la manta. Parce que, à part si elle sert à rien, mais alors là, strictement rien, je crois pas que je vais la garder, la manta. Dao, ça, je m'en fous. Un support parce que ça. Parce que j'en ai besoin. On va voir vite fait s'il n'y a pas du yucca pour voir parce que. Bon, yucca là, non, il a pas poussé. Ah, là, il y a du yucca, nickel. On va trouver tous les yucca qu'on le fait avant. Parce que là il m'en faut. Ouais, il a toujours pas repoussé. Enfin, quoi que ça va pas repousser aussi comme ça. Hein. Ah bah lui j'avais déjà foutu un coup, c'est quoi ça. Ouais. Et on voit rien. Parce que voilà. Normalement je crois pas que j'avais du yucca là-bas. Par contre j'ai des. Patates. En fait, d'un côté j'ai les patates, de l'autre côté j'ai le yucca. On va voir si on peut faire la fenêtre. Ah, bah oui, on peut faire la fenêtre. Ah non, c'est une échelle. Oh, dégoûté. Donc, je vous dis à la prochaine. Et passez une bonne semaine. Allez, bye!